aujourd'hui, l'étape est de penser les meubles et de réparer les petites infractuosités. Parce que quand on fait tourner, elle se dégage quand même seule avec. Les participants créent leur propre palette de couleurs. En fait, c'est un choix qu'ils ont fait en fonction des tissus, là encore, qu'on a récupérés à la friperie. Alors aujourd'hui, on est pas mal en étape de pré-finalisation. Ça veut dire que les participants ont tous fini leur coussin. On voit Joanne ici qui finalise son coussin. Chabia a terminé le sien et a même aidé Mario à finir le sien. Pendant que Mario réparait un petit souci de menuiserie sur le meuble de Chabia. Ça, c'est vraiment chouette, hein, parce que c'est vraiment une collaboration des compétences de chacun. C'est vraiment, c'est agréable à vivre. Donc voilà, on est rendu à la dernière journée de l'atelier de transformation des petits meubles. Bon, mon nom, c'est Chadia. Là, moi, j'étais très heureuse de participer à cet atelier. On a commencé de rien avec un petit meuble, de rien du tout, qu'on a transformé. Et qu'il y a maintenant de l'allure avec de la colle, des clous, de la peinture et un beau tissu toujours de récupération qu'on a trouvé en bas à notre friperie. Je suis très heureuse d'avoir participé à cet atelier. Je partage avec vous le meuble que j'ai réalisé. Donc c'est un meuble à vous penser. Avec un coussin, l'idée c'était de faire un petit rangement pour ma fille. C'était une très belle activité, un très bel atelier et j'aimerais pouvoir participer de nouveau et inviter d'autres personnes qui aiment tout ce qui est manuel venir s'informer pour futures inscriptions. Moi c'est Olivia. Moi ben, je suis bien contente d'avoir participé à cet atelier. Mais je me suis amusée en plus. Puis on a fait des arrangements avec des matériels recyclés de la friperie. Mon nom est Anne. J'ai vraiment bien aimé la participation à cet atelier de récupération. Là, j'ai choisi une couleur fun pour mon meuble. Le cours de transformation de meubles, à partir d'un meuble de récupération, on est transformé en mettant des languettes à l'arrière. En utilisant du vernis pour faire une belle finition et par la suite on a terminé avec un conseil qu'on a recouvert d'un tissu de recyclage. Il a tout de ceci, un beau parfum qu'on est prêt à amener à la maison et on a beaucoup de plaisir à faire et on est très satisfait. Bonjour, moi c'est Mario. Moi j'ai choisi un vernis pour pouvoir faire un fini qui est plus naturel possible. Oui, ça c'est le choix que j'ai fait de faire un fini verni aussi. Faire un ensemble comme ça. Je recommande aux gens, tous ceux qui veulent avoir du plaisir de s'amuser, de venir participer à des activités au volet. Hey! Hello!